Mais d'abord donc, voici l'anti-Greta. C'est comme ça que le Washington Post présente cette semaine cette jeune femme que vous voyez là. L'anti-Greta Thunberg, c'est elle, Naomi Seibt. Elle est allemande, elle a 19 ans. Et depuis une petite dizaine de mois, elle poste régulièrement des vidéos sur YouTube. Des vidéos dans lesquelles elle remet en cause les discours actuels sur l'urgence climatique. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le monde n'est pas fini à cause du changement climatique. A very dystopian agenda of climate alarmism that tells us that we as humans are destroying the planet and that the young people especially have no future, that the animals are dying, that we are ruining nature. And I believe it is important that we act now and change this entire mainstream narrative of fear-mongering and climate alarmism because it's basically just holding us hostage in our own brains. Dans ces vidéos, Naomi Seibt ne dit pas que l'homme n'a pas de responsabilité dans le changement climatique, mais elle explique qu'on a exagéré son rôle et que le discours de beaucoup de scientifiques aujourd'hui est trop alarmiste. Alors, Naomi Seibt aurait pu continuer à faire des vidéos comme là, dans sa salle de bain, sans qu'on en parle, sauf qu'il y a deux semaines, elle a été recrutée par un institut américain assez puissant, le Heartland Institute, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un cercle de réflexion qui revendique très clairement son climato-scepticisme. C'est un lobby qui est proche de l'administration Trump et cet institut veut tout simplement faire de Naomi Seibt une anti-Greta Thunberg. Greta Thunberg, je le rappelle au passage, c'est cette jeune Suédoise qui a encouragé les jeunes à faire grève pour alerter sur l'urgence climatique. Greta Thunberg, Naomi Seibt, le Heartland Institute fait tout pour opposer les deux jeunes femmes, comme dans cette vidéo que l'institut vient de publier. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. The reason I don't like the term anti-Greta is because it suggests that I myself am an indoctrinated puppet, I guess, for the other side. Et sur son site internet, le Heartland Institute explique le rôle précis qu'il veut confier à Naomi Seibt. L'influenceuse de 19 ans devra communiquer son climato-réalisme à la jeune génération en Europe et aux États-Unis. J'ajoute une dernière chose importante, c'est la proximité entre Naomi Seibt et l'AFD, le parti anti-islam, anti-migrant en Allemagne. Naomi Seibt a participé à différentes conférences organisées par l'AFD. Vous la connaissiez, cette jeune femme? Oui, vaguement. J'ai reçu quelques... Moi, je suis assez attaqué, j'ai traité... Peut-être maladroitement de vieux cons, les gens qui la critiquaient. Bon, vieux cons comme moi, je suis il un vieux con. Greta. Oui. Greta. Donc j'ai reçu des messages. Comment vous admirez cette gogole en moonboot? Ah oui, les messages étaient très durs. Moi, je suis une fan de Greta. Ce qu'elle a réussi à faire est inouï.